Hey, salut à tous, c'est X-Shooters, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur GTA 5 Online pour un nouvel épisode des tenues secrètes. Dans cet épisode, je vais vous présenter les tenues de Forrest Gump et Mr Bean. Donc on va commencer par cette dernière. Donc n'hésitez pas à y laisser un max de likes sur cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Alors pour la tenue de Mr Bean, comme je viens de le dire, on va tout d'abord vous se rendre dans les pantalons. Vous allez ensuite dans les pantalons de costume et là vous allez chercher le pantalon marron. Il est juste ici. Une fois que c'est fait, vous allez vous diriger vers les hauts. Vous allez ensuite dans les vestes de costume et là vous allez prendre la veste à mailles vintage. Elle est juste là. Une fois que c'est fait, vous allez dans les chemises de bureau, donc juste en bas. Pour aller prendre une chemise blanche. Là voilà. Une fois que c'est fait, on va maintenant aller dans les chaussures. Dans les chaussures chic. Et vous prenez les richelieuses noires unies. Ou alors les mocassins Cobra qui sont juste ici. Mais personnellement, je préfère quand même les richelieuses noires unies. Et maintenant, pour aller terminer cette petite tenue, vous allez vous diriger dans les accessoires. Dans les cravates. Et là, vous allez prendre la cravate fine rouge. Donc, il faut un petit peu descendre. Elle est, c'est à peu près à la 40e, je crois. Normalement, elle devrait être ici. Là, voilà. Donc, voilà, cravate fine rouge. C'est la 48e, donc il y a 85 cravates. C'est un petit peu long pour la chercher. Donc, voilà, vous la prenez. Et maintenant, votre tenue est terminée. Et maintenant, pour améliorer la tenue ou pour la compléter, si vous voulez, vous pouvez vous rendre chez le coiffeur pour bien évidemment prendre une coiffure côté gominé noir avec des mèches noires ou comme vous voulez. En tout cas, le plus important, c'est que ce soit une coupe gominé noire. Si vous la prenez, vous n'êtes pas obligé, c'est un petit supplément. Enfin voilà, on va directement poursuivre avec la tenue de Forrest Gump. On la démarre tout de suite, vous allez dans les pantalons. Comme avant, dans les pantalons de costume. Et vous allez chercher le pantalon blanc ou alors le baggy blanc. Alors, le baggy blanc, c'est celui-ci. Et le pantalon blanc, il est ici. Donc, personnellement, je vous conseille vraiment le pantalon blanc. C'est celui qui rend mieux, au final. Donc, maintenant, vous allez vous rendre dans les hauts. Comme avant, dans les vestes de costume. Et là, vous allez prendre le blazer blanc. Donc, il est juste ici. Une fois que c'est fait, vous descendez dans les chemises. Et vous prenez la chemise à carreaux bleus rentrée, c'est celle-ci. Ensuite, il faudra aussi bien évidemment enlever la cravate, hein, parce que comme ça, ça le fait pas trop, ça fait plutôt clown comme ça. Donc maintenant, vous allez dans les chaussures de skate, et vous allez prendre les skates grises. Voilà. Maintenant, je vais juste enlever la cravate, et puis la tenue sera terminée. Donc au niveau des coiffures, il n'y a rien à faire, hein, il n'y a pas de tenue de coiffure pardon, à prendre. Et voilà, vous avez désormais la tenue de Forrest Gump sur GTA Online, mais aussi la tenue de Mr Bean. Vous avez vraiment de quoi faire sur le online en attendant le prochain épisode. J'espère en tout cas vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à y laisser comme d'habitude un max de likes, un max de partage. Et pourquoi pas aussi un petit commentaire positif, ça prend vraiment peu de temps et ça fait super plaisir. Je vous invite rapidement à venir me suivre sur Twitter, rejoindre mon crew sur GTA 5 et pourquoi pas m'ajouter sur Skype si vous avez des questions ou autre chose. Tout vous attend dans la description de la vidéo. Moi je vais donc vous dire à tous à très très bientôt pour de nouveaux épisodes et de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!